it goes well for you guys. Okay, thank you so much. Bye. Allez, de retour à Vallelunga pour la première course. Ça y est, c'est parti. La première course des FIA Motorsport Games 2019. La première course sera la Formule 4. La Formule 4 avec une grille un peu chamboulée par rapport avec les temps que nous vous avions annoncé à la fin de la séance de qualification. On va découvrir ça tranquillement avec la grille qui est déjà en place. On retrouve normalement désormais en pole position un garçon qui avait parfaitement bien animé hein, cette première séance de qualification, l'Israélien Ido Cohen. Exactement. Ouais, Ido Cohen. Aux côtés d'Andrea Rosso, finalement, une première ligne assez logique, Fabien, puisque ce sont des garçons qui ont déjà roulé cette saison en F4 sur ce tracé de Vallelunga. Et puis sur la deuxième ligne, on va retrouver le pilote allemand Niklas Kruten. À ses côtés, Pavel Polantsev, le russe. Qui avait hein, signé, si je ne me trompe, ouais, la pole position, à l'issue de cette qualification. Alors, on vous cache pas, on essaie de comprendre les raisons pour lesquelles cette grille de départ a été bouleversée, mais on peut imaginer, on peut supposer que peut-être les meilleurs temps ont été retirés aux pilotes parce qu'ils ont effectué leur meilleur temps alors qu'il y avait peut-être un drapeau rouge. Il y a eu beaucoup de drapeaux rouges, si on a eu des améliorations au moment où le drapeau rouge est tombé, ça peut avoir conduit à annuler des temps. Et on a eu, je vais vérifier parce que la qualification est là. Nous avons eu un certain nombre de drapeaux rouges, au moins deux ou trois, hein, je crois, dans cette séance. Et on va rejoindre Dakota Jane sur cette grille de départ avec le pilote italien. Andrea, it's fantastic to be flying the home colours here in Italy. How happy are you to be sitting on the front line of the grid? Fantastique de pouvoir disputer votre course à domicile ici. Comment vous sentez? Yeah, of course, I'm really happy. Ouais, bien sûr, je suis très content. Je pars de la deuxième position, c'est une bonne place. Je suis très heureux et très fier de représenter mon pays ici. Et j'ai vraiment hâte qu'on y aille. Let's see what I can do. Et on va voir ce que je vais pouvoir donner. Let's see what he can do. Forza Italia. Voilà, c'est bien de voir un petit peu le regard, parce qu'on n'a pas vu le visage. Et c'est toujours compliqué de faire des interviews de monoplace, mais alors là, le halo, je dois dire quand même, pour les interviews, c'est quand même pas commode. C'est vrai, c'est vrai. Alors Fabien, on peut quand même aussi se poser la question de la météo hein, sur cette course. On est chaussé de pneus slick pour l'ensemble du peloton, parce que la piste a clairement séché depuis ce matin, mais les nuages sont toujours aussi menaçants. Sur ce tracé de Vallelunga, Jao Rosate. Le pilote brésilien ici à l'image qui s'élancera je crois depuis la troisième ligne. Exactement, qui s'est montré à son avantage hein, pendant la qualif. Aux côtés du pilote japonais Kotaka hein, qui a été extrêmement véloce lui aussi. Qui a fait jouer son expérience, notamment de la F3 japonaise. On la connaît, cette discipline extrêmement compétitive. Le voici, le pilote japonais.
On est en train de préparer évidemment ce départ. Et on va aller rejoindre Dakota Jane du côté de la pole position avec Ido Cohen. All the way from Israel. It's much colder here. Vous venez de loin, hein. Alors ça fait un peu de route pour venir jusqu'ici en Italie. Alors vous aviez eu un souci, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ouais, en fait, en venant sur la grille, j'ai un souci pour monter les rapports. On a changé le volant et le problème est résolu. Anyway, good luck for the race. I hope the first corner goes well for you. Ouais, c'est jamais très facile hein, de se lancer comme ça dans une course avec un problème mécanique. C'est clair. Le Danemark sur la quatrième ligne, ici avec Jacobsen. On n'a pas beaucoup vu hein, dans la séance de qualification ce pilote danois. Est-ce qu'il a bénéficié aussi de... Alors il avait signé le 8e temps. Le 8e temps, il est à sa place. Bon, très bien. Très bien, très bien. Mais, Non, je crois qu'il n'y a qu'un seul pilote. Oui, c'est l'Australien Leeds en fait, hein, qui se retrouve derrière lui alors qu'il était juste devant lui à l'issue de la séance qualificative. Il a gagné une position finalement, Jacobsen. Alors on n'a pas eu l'occasion d'aller les rencontrer, ces jeunes pilotes, mais c'est vrai que c'est avec ces images sur la grille qu'on voit. La jeunesse de ses visages hein, sous ses casques et on se dit... Et les beaux yeux clairs de Ido Cohen aussi, hein, dans la visière du casque. Voilà, il est à fond hein, le pilote australien. Ouais, déjà en qualification, il était tout sourire, visière ouverte pendant les périodes de drapeau rouge. Et quelque chose me dit, ma chère Guénel, que sa visière claire, c'est peut-être le bon choix de visière pour la course qui est en train de se préparer, parce que je ne veux pas être pessimiste. Si le soleil sort, ça va être un peu gênant pour lui. Ça va être gênant pour lui, mais là, je pense qu'il a quand même le bon choix. Hein. Depuis que nous avons débuté notre retransmission, ça ne cesse de s'obscurcir. Mais il ne repleut pas. Hein, il ne repleut pas. Il ne repleut pas. C'est toujours de plus en plus sec. Et regardez cette bonne nouvelle aussi, qu'on a de voir un petit du public dans les tribunes de ce circuit de Vallelunga, le Finlandais William Alatalo. Vous voyez, je m'améliore, Guénel. Avec des couleurs qu'on connaît bien. Absolument. Pour ce pilote finlandais. Et on va aller retrouver Dakota Jane avec Niklas Kruten, le pilote allemand. Niklas, exactly. You're a driver to watch, all the way from Germany. German has a great nation. Vous êtes vraiment un pilote à suivre parce que l'Allemagne, c'est vraiment une nation qui a une vraie passion pour le motorsport. Yeah, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? Ouais, maintenant pour cette première course, c'est de rester aux avant-postes et surtout me concentrer sur bien rouler pour la course principale. Il y a un pilote qui a eu des problèmes techniques juste devant vous. Effectivement, hein, c'est le poleman. Ido Cohen, peut-être que vous allez pouvoir en profiter, lui dit Dakota. Ouais, il est concentré hein, en tout cas. Ouais, il était moins enjoué que le pilote australien il y a quelques instants, pardon. Exactement. Alors on va peut-être rappeler quand même les contours de cette course, Fabien, alors qu'on est en train d'évacuer cette grille. J'allais vous le proposer, Guénaël. Alors c'est une course de qualification, cette première course, donc qui a été basée sur une séance qualificative, mais elle va surtout servir à faire la grille de départ de la course finale qui aura lieu demain, donc elle est particulièrement importante. Il n'y a pas vraiment d'enjeu sportif hein, à l'issue de cette course, si ce n'est de se qualifier au mieux pour la course principale. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas abandonner. Il faut pouvoir repartir en course si jamais on a un problème ou si jamais on s'accroche. Mais voilà, l'issue, le résultat final de cette course donnera la grille de départ de la main race qui aura lieu demain. Et c'est cette main race qui donnera les médailles hein, aux trois premiers. Donc vraiment, là, c'est un petit peu une course stratégique pour ces pilotes. Il faut pas tout donner. Il faut pas partir à la faute. Il faut pas risquer de faire des dépassements inconsidérés, par exemple, et de risquer de partir à la faute. Il faut rester vraiment concentré sur l'objectif final qui sera la course principale de demain. Alors, Guénel, tout ce que vous venez de dire, c'est parfait, c'est bien beau, c'est très bien expliqué. Sur le papier, vous voulez dire. Voilà, nous sommes quand même
face avec nous, en face de nous, avec des pilotes qui sont jeunes, qui sont fougueux, qui n'ont peut-être pas encore tous les acquis. Qui ont des niveaux d'expérience différents aussi. Absolument, qui n'ont pas forcément tous les acquis de sagesse que vous venez de décrire. Je vais essayer de leur transmettre un peu de ma sagesse. Essayez, essayez. Allez, en tout cas, nous, on aura un œil sur ce garçon. Ouais, il faut pomper sur l'embrayage, ouais, hein, lui dit-on. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ces voitures font leur première course. C'est une séance d'essai grandeur nature pour les 20, plus de 20 voitures engagées. Donc, on donne encore quelques petits détails pour bien utiliser ces conseils voitures. Conseils techniques, ouais, exactement. C'est effectivement nouveau pour l'ensemble du plateau. Là, tout le monde est à armes égales finalement. Dans cette course avec des voitures identiques et des voitures toutes neuves pour tout le monde. Exactement. Avec ce système hybride aussi, hein, qui est tout nouveau à la fois pour les pilotes et pour les autos qu'il va falloir apprendre à gérer entre guillemets, même si les pilotes n'ont pas accès à ce système et ne peuvent pas l'enclencher ou le déclencher, mais néanmoins ça fait partie de choses qu'il va falloir apprendre à gérer. Exactement. En tout cas, le premier tour de formation de cette première course, de la première édition des Motorsports Games 2019 sur le circuit de Vallelunga est sur le point de s'élancer. C'est un grand moment. Ouais, c'est la journée des premières. Ah oui, puisque en plus, cette voiture, c'est la première course de la F4. Pour tous ces pilotes, voilà, pour tout exactement. Le monde. Voilà, on vit un moment historique, autant le dire. Et vous voyez, les supporters sont présents dans les tribunes. Chacun est venu avec son drapeau supporter sa nation. Et là, on va commencer à prendre évidemment. Ouh, il y a une voiture qui est restée arrêtée sur la grille de départ. Est-ce que c'est pas de pilote allemand Non, troisième. Ça a l'air d'être la troisième ligne. Rosaté, peut-être le Brésilien. Je vois l'avant vert sur la voiture. Oui, ça m'en a pris. Il a réussi à redémarrer. Ouais, il y en a trois collés. C'est bien le pilote brésilien qui était resté arrêté, mais on en a encore trois autres là. Ils n'ont pas assez pompé sur l'embrayage. C'était la consigne qu'on leur avait indiquée. On leur a peut-être pas dit à cela. Et ça y est, c'est reparti. On a réussi à démarrer pour l'ensemble du peloton avec le pilote. Attendez, alors est-ce que c'est australien ? Oui, sinon, c'est le pilote néo-zélandais qui s'élancera depuis la dernière position sur la grille. Ouais, mais le détail des drapeaux, quand même, n'est pas forcément simple. Vous, c'est les noms, moi, c'est les drapeaux. Chacun son truc. C'est ça. Ouais, vous savez quoi ? On va dire les nations. Oui, mais quand on a les drapeaux, il faut savoir reconnaître la nation. C'est pas faux. C'est pas toujours. Donc là, en première ligne, Non, ça va. Là, on a l'Israël et l'Italie sur la première ligne. L'Allemagne et la Russie sur la deuxième, le Brésil et le Japon sur la troisième, le Danemark et l'Australie sur la quatrième, la Finlande et la Hongrie sur la cinquième, et c'est là que je commence à sécher. Ouais, c'est la République tchèque qui sera aux côtés de la France. Finlande, Hongrie. Voilà, et ensuite on va arriver justement à République tchèque et France avec Richard de Gérus qu'il faudra évidemment surveiller. Il faut qu'il essaie de remonter dans le top 5. Ce serait l'idéal pour lui. Le vice-champion de France F4 sortant qui nous arrive de loin parce qu'il est français, certes. On se dit la France, c'est pas très loin de l'Italie, c'est frontalier. Mais Richard de Gérus, il est réunionnais. Alors, ça fait un sacré voyage. C'est vrai. Même si, évidemment, il a passé très probablement la majeure partie de sa saison en métropole puisqu'il est hébergé par la FFSA Academy. Ouais, il est quand même loin de la maison. Oh. On nous annonce une wet race. Alors bon, c'est plutôt pour des raisons de sécurité en fait. D'accord. Hein, qu'on nous annonce cela. Est-ce que cela voudrait dire quand même que quelques gouttes de pluie auraient été repérées à certains endroits du circuit ? C'est juste qu'il y a encore des patchs d'eau. Pas la déclarée sèche. Ok. J'adore travailler avec vous, Guenel. Ça veut aussi dire que. Vous avez raison. Ça veut aussi dire que le choix des slicks est un choix à la responsabilité du pilote. On est d'accord. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Imaginons deux pilotes qui se battent, qui sont face à face. Un va dans la partie humide et quand il arrive sur la zone de freinage, à lui d'assumer. C'est aussi une problématique de choix pneumatique. Ça veut dire, si vous partez en pneus slick, c'est votre responsabilité de chausser des pneus slick. J'aime bien quand vous m'expliquez, Guenel. Bon. Les choses sérieuses vont débuter. On va pas tarder à commencer. Exactement. Les voitures se mettent en grille. Alors, on espère que tout le monde va réussir à démarrer correctement. C'est toujours un peu une crainte sur des départs arrêtés.
Et on va partir pour 20 minutes dans cette course qualificative. Et je vais même rebondir sur ce que vous avez dit, avec une voiture neuve, avec des pilotes qui ne maîtrisent pas tout à fait encore la procédure de départ. Qui s'éteignent et c'est parti au ralenti là au niveau de la deuxième ou de la troisième ligne, mais j'ai l'impression que tout le monde a réussi à s'extraire de la grille. Mais j'ai l'impression que qu'on va avoir des surprises au premier virage. L'Italie semble avoir pris la tête de la course, Guenel. Il semblerait que ce soit l'Italien Rosso qui est en tête. Ouais, et c'est l'Allemand qui lui a emboîté le pas. Le poleman Ido Cohen est troisième. Alors, pour vous aider, vous allez pouvoir repérer sur la moustache avant, les drapeaux notamment, qu'on peut apercevoir. Sinon, sur le museau, si vous avez une vue un peu plus perçante que la nôtre. Voilà, en tout cas, là c'est clair. L'Italie qui mène à la maison dans ce premier tour, suivi par l'Allemagne avec Israël. Ido Cohen là qui passe à l'attaque. Attention derrière, un petit peu de grabuge pour le moment. Le premier tour se passe quand même assez bien. Attention quand même de bien rester sur la piste. Sorti un peu large sur le vibreur. C'était la Finlande qui est allée escalader le vibreur. William Atalo, Alatalo, qui est allé escalader un petit peu le vibreur. Attention là, l'Allemagne qui va tenter le freinage à l'extérieur. C'est chaud là, sur l'Italien. Oh, ça va passer. Oh, c'est beau, quel dépassement du pilote allemand. Avec Rutten là, attention, on a une problématique pour la voiture numéro 5. Et on a une voiture dans le bac aussi, le pilote japonais. C'est fini. Et le pilote brésilien qui va prendre une pénalité pour un drive-through, pour position incorrecte sur la grille de départ. Ah, à mon avis, Guenel, on va avoir la voiture de sécurité qui va faire son entrée. Ouais, parce que là, il est dans le bac. Avec une roue vraiment endommagée. On va attendre la décision de la direction de course, mais la voiture de sécurité devrait faire son arrivée. Incessamment sous peu. C'est chaud là entre l'Italie et Israël. Ido Cohen là qui va passer Rosso, mais qui se défend bien l'Italien. Ouh, il s'est passé à l'extérieur là. Alors qu'on a le pilote du Koweït, me semble-t-il, ici arrêté. Mohamed Al-Noussif qui est malheureusement arrêté. Ouais, ça commence à faire quand même pas mal de voitures en difficulté à différents endroits du circuit et la direction de course. Pour le moment, continue de laisser ces garçons. En débattre. Et ces garçons et cette jeune fille, ne l'oublions pas. Belén Garcia, la représentante de l'Espagne. Qui est pour le moment en 12e position. Elle est juste derrière Richard de Gérus, le pilote français. Et c'est chaud là sur ce vibreur, ça va très très large. Et safety car, Fabien, vous l'aviez pressenti, safety car dans cette course qualificative de la F4 Cup, alors que là le pilote du Koweït Al-Noussif a réussi à repartir moustache copieusement endommagée. Oui. Tout le monde n'était pas prévenu je crois. Ou alors pourtant on le voit sur le côté, il y avait un panneau lumineux qui annonçait la zone l'entrée du safety car. Là voilà la voiture du japonais. A été effectivement mal située. On revoit ce qui est arrivé. Au pilote koweïtien, heureusement il était en fond de peloton, donc il n'a surpris personne dans sa manœuvre. Si ce n'est lui, le pauvre. On a donc déjà, dans ces toutes premières minutes de course, de pilote sur le carreau. C'est le japonais Kotaka, et pourtant il avait été particulièrement impressionnant, le japonais en qualification. Et le pilote koweïtien Al-Noussif. On va essayer de se hâter pour aller sortir la voiture du japonais du bac. Et on va revoir ce qui s'est passé au moment du départ. Et le magnifique départ du pilote local, l'Italien Rosso, qui a pris le meilleur, mais pour peu de temps. Parce qu'on a eu droit à des manœuvres absolument sublimes de dépassement, extrêmement viril mais tout à fait correct de la part notamment de l'Allemand Kreuten. La voiture de Katsuto Kotaka en tout cas est en train d'être évacuée. Il y a beaucoup de gravier, on le voit là sur le bord de la piste. Il ne faut pas trop sortir à cet endroit là de la trajectoire. C'est impressionnant quand même comment la piste est sale à cet endroit. Pourtant, nos amis du drift n'ont absolument pas mis leur rôle dans ces environs. Non, mais c'est des pilotes qui sont sortis du bac et qui sont revenus en piste. Effectivement, il y a des grands bacs à gravier ici à Vallelunga.
Et la preuve, hein, regardez, quand une monoplace va dans le bac, regardez, ça fait une petite, ça fait une pelle à l'avant. Ça ramène des graviers sur la piste. On a vu notamment en Touring Car Cup tout à l'heure, hein, la pilote Jessica, suédoise, Jessica qui Batman, a secoué copieusement. C'est... sa Hyundai en revenant en piste, en déposant quelques graviers pour les petits copains. Elle s'essuie les pieds avant de rentrer. Exactement. Donc c'est ce qui explique qu'à certains endroits du circuit, on puisse trouver des graviers. On revoit ce qui s'est passé pour Kotaka. Ouais, et ça se passait dans le haut de l'image. Le déplacement à l'extérieur, hein, ouais, du pilote allemand sur Rosso. Il y a de la maîtrise, hein, quand même. Belle, hein, manœuvre. Hein. Ouais, ouais, vraiment. Hein. Bon, après, il connaît aussi, je crois, ce tracé. Ouais, mais ça, il l'a fait un Italien. Qui doit connaître un peu la maison aussi. Oui. Donc, belle manœuvre en tout cas. Et, bon, écoutez, nous sommes sous régime de voiture de sécurité, mais pour le moment, j'ai envie de dire que cette course de F4 s'annonce sous d'excellents auspices. Ça a l'air quand même d'être. Elle est pas mal, cette petite course qui commence là. Ouais, en tout cas, le leader Kruten, qui dispose de pas mal d'expérience, il a notamment été meilleur rookie en F4 allemande l'année dernière. Un championnat dont le niveau est particulièrement reconnu. Il a tout juste 17 ans, il y a quelques jours seulement, hein, il a fêté ses 17 ans, Niklas Kruten. J'ai l'impression qu'il n'est pas venu au volant de sa propre voiture, ce garçon, du coup. Non. Eh non, du coup, il faut que ce soit papa, maman ou le chef d'équipe, hein, qui accompagne le pilote. Dans ce cas, ils sont tout jeunes, ces pilotes de F4. Natif de Trèves, en Allemagne. Nicolas Kruten qui est passé en F3 Open depuis... Et on est reparti dans cette course, parce qu'il faut attendre quand même de passer la ligne pour dépasser. Nous sommes repartis, mais on ne peut pas dépasser pour le moment. Voilà, c'est une fois que cette ligne de départ qui sera franchie que l'on pourra de nouveau aller chercher d'attaquer le pilote qui nous précède. Et c'est reparti donc avec Niklas Kruten en tête devant Ido Cohen, excusez-moi, Andrea Rosso. Maltais Jakobsen pour le Danemark en quatrième position et Todd Laszlo pour la Hongrie en cinquième. Notre français, notre représentant français Richard Degerus est en onzième position. Attention là, l'Italien, Ido Cohen qui de nouveau en position pour aller attaquer Niklas Kruten. Et c'est exactement ce que l'on disait, hein. C'est bien d'attaquer, c'est bien d'aller essayer de chercher des positions, mais cette course n'a pas de conséquences directes sur votre médaille potentielle à la fin, mais c'est important de bien y figurer et surtout de la finir. Ce qui va déterminer, hein, les positions sur la grille de départ pour la course principale qui aura lieu demain. Bataille entre le Brésilien et l'Irlandais pour le compte de la 9e place. L'Irlandais Luca Allen opposé. Il est où le Brésilien ? Il a perdu un peu de place. Alors, on vient de montrer un drapeau noir et orange, plus précisément fond noir, disque orange. Au pilote du Koweït Al Nusif, hein. Ça c'est quand il y a un élément mécanique qui est en train de se détacher et que ça devient risqué ou dangereux pour le pilote ou pour ses adversaires. Ouais, et on a vu effectivement Al Nusif, hein, sortir du bac tout à l'heure en ayant la moustache avant qui était en train de se détacher. Ouais, ça va passer, passer. Attention quand même, c'est à l'extérieur ici. Oui, non, il va pas tenter le diable, Ido Cohen, mais attention derrière parce que c'est revenu fort pour Rosso. Ouais. Il est presque en position d'attaquer. Ouais, d'ailleurs, aller jusqu'à Alatalo, on va dire que pour le moment on est en une demi-seconde, hein, entre les six premiers Guenel. En tout cas, très belle course, hein, de la part de ces garçons. Et l'extérieur encore ici là pour l'Israélien, c'est un petit peu ambitieux. Ça va large, ça va large. Mais on reste quand même dans les limites de la piste. Attention aussi derrière le Brésilien là qui va très large. Et attention, ne pas se faire piéger pour Cohen. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de se faire passer par Rosso. Rosso est en train d'attaquer le pilote israélien qui va bien être placé pour le prochain virage. Ils ont fait pratiquement deux virages côte à côte, les deux pilotes.
Ouais, belle maîtrise. En tout cas, ils nous offrent un très beau spectacle, hein, tous ces garçons. Un petit mot également sur le pilote russe, hein, Boulantsev, qui a été impliqué dans l'incident avec Al-Nusif un petit peu plus tôt. Un incident sous enquête, mais surtout pour Boulantsev, c'est beaucoup de places de perdu. Il est 13e, alors qu'il s'est lancé aux avant-postes sur cette grille de départ. Oui, Kenneth, pendant que vous recherchez, juste pour vous dire que le Hongrois vient de passer le Danois, juste à l'instant. Position récupérée à l'instant donc pour le Hongrois. Et Kruten qui se donne un petit peu d'air. Il a réussi à prendre 7 dixièmes d'avance par rapport à Israël. Ido Cohen toujours 3ème, Andrea Rosso toujours 3ème pour l'Italie. Il y a une petite bosse, vous la voyez là, ici au Elle est juste. Ouais, elle est juste. Sacrément vicieuse. Elle est juste. Parce que c'est sur le point de frein. Ouais. Et on voit toutes ces voitures qui se délestent là subitement. Et c'est vraiment super piégeux hein, pour tous ces jeunes pilotes et avec des voitures légères, notamment comme celle-ci. C'est ça. On peut vite partir en tête à queue, vite partir à la faute. Ouais, non, c'est vraiment une bonne illustration de la maîtrise de tous ces garçons. Et les pays nordiques là qui s'affrontent, le Danemark face à la Finlande, Jakobsen face à Alatalo, c'est la bagarre pour la 5e position. Et la France qui a gagné une place. Le Brésilien, en fait, qui était à la lutte hein, avec Lucas Allen de l'Irlande, qui a dégringolé un petit peu. Ah non, il a eu un drive pour le pilote brésilien. Ah, c'est bah, ce qui d'accord. explique hein, sa position. Et c'est ce qui a permis à quelques pilotes de gagner une place. Ça continue entre l'Israël, l'Italie et la Hongrie. Là. C'est la bagarre pour les accessites. Et le Danois qui est sous la menace du Finlandais. Ces règlements de compte entre pays nordiques derrière. Eh bien, vous savez quoi, Ganel, je trouve vraiment, j'apprécie vraiment cette idée de se battre pour son pays, en fait. Hein. C'est vraiment plaisant. La direction de course qui a modifié la procédure, en fait, l'accrochage avec Boulantsev. Ce n'était pas avec Al-Nusif, mais avec le pilote malais, à savoir Tong. Pas de changement au classement pour le moment, toujours Kruten. Kruten toujours en tête. Kruten toujours en tête. Suivi de Cohen et de Rosso. Pas de changement avec le trio de tête. Et regardez, Ganel, le temps qui s'égrène finalement très vite. Hein. Ouais, une course de 20 minutes, ça passe vite. Hein. Il va falloir tenir un petit peu plus longtemps demain. Et on voit le Brésilien qui ressort des stands de la Rosaté après... Ah non, il est là, le pilote brésilien. Alors, qui c'est toi? Il est repassé au stand, me semble-t-il. Attendez, parce que là, c'est compliqué, mais il me semble voir le drapeau brésilien sur l'aileron arrière. Ouais, non, mais je crois que c'est il avait eu une pénalité et il est à nouveau au stand. Ah, moins que ce soit le pilote du Koweït. Il y a les deux qui sont passés par la voie des stands. Son casque, le casque jaune, ça me semble bien que ça, c'est celui du Brésilien. En tout cas, voilà. Non, mais il y avait les deux. Hein. Oui, il y avait les deux. Ah, oui, il y avait les deux pilotes, regardez, c'est l'un derrière l'autre. En fait, on est en train de faire des réparations sur la voiture brésilienne après le drive-thru. Et on est en train d'intervenir également sur la voiture du Koweït suite au drapeau noir et orange qui a été brandi par la direction de course à ce pilote. Allez, cette course qui, pour le moment, semble un petit peu s'être... stabilisé, bien entendu, rien n'est encore joué. Mais pour le moment, l'Allemagne qui mène toujours devant Israël, devant l'Italie, devant la Hongrie, devant le Danemark, la Finlande, la Belgique, l'Australie, l'Irlande, la France 10e, la Russie en 11e position, l'Espagne, la République tchèque, le Portugal, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, le Koweït qui est toujours au stand et le Japon qui a malheureusement déjà abandonné. Et c'est le pilote danois hein, qui détient pour le moment le meilleur tour en course. Il se le partage, hein, il se le bagarre avec Alatalo, alors que là aussi on a une bagarre là pour la tête toujours. Ouais, Cohen qui n'a pas renoncé, hein, qui met toujours la pression sur Niklas Kruten. Et Kruten qui est impérial pour le moment. Ah, et ça attention. Va profiter à Rosso, attention. Ouais, on se retrouve exactement dans la même configuration. C'est-à-dire qu'ils vont faire des virages côte à côte. Et au premier virage dans le stadium, là, au niveau de l'épingle. Ah, mais là, c'est passé pour Rosso. Ouais, c'est passé. Attention, la contre-attaque de l'Israël, c'est chaud à l'extérieur. Là. Il a freiné super tard. Hein. Et attention, parce qu'il y a le Hongrois derrière. Exactement, j'allais vous le dire. Attention qu'il n'en profite pas.
L'Allemand, en tout cas, qui lui a pris un peu ses distances. Du coup, il a une demi-seconde d'avance, hein, Niklas Kruten. Et il profite de la bagarre entre Ido Cohen, Andrea Rosso, Todd Laszlo pour la troisième marche du podium. Et Hélène Garcia qui vient de signer le meilleur premier secteur, la féminine, qui est en 12e position, juste derrière le pilote russe Boulantsev. Oh, il y a un morceau de quelque chose qui a volé là, d'une des voitures, Genel. Je ne sais pas si c'était un débris ou alors un morceau qui est parti, mais en tout cas, si, regardez, il a perdu un petit flap, le pilote allemand. Il a perdu un flap à l'avant là. Il a perdu un flap, Niklas Kruten. Ou derrière, attention, de bien rester dans les limites de la piste. Ouais, c'est le pilote australien Leeds là qui est sorti un peu large sur ce vibreur. Et le pilote brésilien qui ressort des stands au ralenti là, juste dans le peloton. Allez, on se retrouve avec le trio infernal. Avec Kruten. Est-ce que Kruten va être un peu handicapé par ce petit bout de flap qui s'est échappé? Je ne pense pas, mais bon, psychologiquement, peut-être que ses adversaires ont vu ce morceau de flap s'envoler et qu'ils vont essayer de trouver une ouverture par rapport au pilote allemand. Il reste 3 minutes 45 de course. Ouais, alors on va passer sur la ligne. Ça devrait faire entre 2 et 3 tours à peu près dans cette course qualificative de la F4 Cup. Et là, regardez la position idéale du pilote italien qui va passer à l'attaque sur Kruten. Ah, il a vraiment envie de bien faire à domicile, hein, le pilote italien. Ouais, c'est pas facile de. Et regardez l'Israélien. L'Israélien, il a vraiment failli perdre les commandes là. Ido Cohen est emmené avec lui Rosso, hein. C'est pas passé loin. Ouais, peut-être pourquoi pas même Kruten, vu à la vitesse à laquelle ça arrivait. Bon, en tout cas, la météo qui se maintient, tant mieux pour nous, tant mieux pour le spectacle, parce que cette première course des FIA Motorsport Games, je peux vous dire qu'elle est à la hauteur de nos espérances. Et Rosso qui insiste à l'extérieur, hein, et qui s'est fait tasser là, un peu par Kruten. Ouais, et du coup, attention, ça sort aussi. Oh, qui est-ce qui est revenu comme ça sur la piste? Attention. D'en profiter, mais qui n'a pas été assez vif là, parce qu'il aurait pu vraiment profiter de la situation pour dépasser l'Italien. Et tout ça, ça fait un peu les affaires de Kruten, hein, qui a repris un petit peu d'air là. Ouais, exactement. Qui a laissé ses petits copains se bagarrer derrière. Oh, le Danemark qui arrive, qui a touché le pilote hongrois. Oh, attention derrière la Belgique, Polo. Ouais, la Belgique, Nicolas Berck est allé largement au-delà du vibreur. Et le pilote du Koweït, hein, qui malencontreusement se retrouve déjà dans le trafic. Et ça y est, c'est passé pour Mais faut pas Ido qu'il Cohen. Ido Cohen qui est passé sur le pilote italien. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci pour Rosso là, qui tout d'un coup a levé le pied. Est-ce que sa petite sortie de piste là va pas lui coûter cher au pilote local? Rosso, non, il. Non, Rosso est en deuxième position. Il est revenu dans l'aileron. Oh, il y a une voiture qui a tiré tout droit. Ouais. Il y a une voiture qui a tiré tout droit. On n'a pas vu de qui il s'agissait. Mais là, Rosso est très menaçant, hein, sur Kruten, qui pensait avoir pris ses aises, mais non, pas du tout. Rosso qui va tenter ici à l'extérieur. Est-ce que ça peut passer? Ouais, pareil, hein. Même endroit, même punition. Mais là, hein. Ça va passer. Ouais. Ou pas. Oh, ouais, on est presque au coude. Ça, ouais. Va ça passe pour passer. Le pilote italien. Ouais. Et vous la sentez, hein, la fierté italienne, là, Fabien à domicile. Vous croyez qu'il a envie de se laisser faire là, dans les derniers mètres de cette course. Et je pense qu'on va entamer le dernier tour, si je dis pas de bêtises. À moins que. Attendez, hein, c'est peut-être. Évidemment. Est-ce que c'est plus un tour? Est-ce que c'est le chrono plus un tour? Là, vous me faites des challenges, là. Non, c'est 20, ouais. Enfin, normalement, c'est 20 minutes. Hein. D'accord. Normalement, c'est 20 minutes. Ouais, mais à mon avis, ouais, c'est-à-dire que voilà, le prochain passage sur la ligne sera le dernier tour de course.
l'Italie. Il va y avoir encore un tour. Voilà. Dernier tour. Italie, Israël, Allemagne, Hongrie, Danemark, Finlande, Belgique, Australie, Irlande, Russie, France. La France qui a perdu une place. Ouais, c'est aux dépens de la Russie hein, qui a remonté. Boulantsev qui avait fait un très bon chrono mais qui avait eu un petit pépin, un petit accrochage au départ et qui est en train de faire son retour aux avant-postes. Ouais, Niklas Kruten hein, qui a mené quasiment toute la course là, qui est en train de devoir se battre pour conserver sa place sur la troisième place de la prochaine course si ce que je viens de vous dire a un sens. Ouais, et là l'Italien qui est en train De sceller l'affaire. Ouais, et je pense qu'il va être fier, c'est important hein, à domicile quand on représente sa nation comme ça, le pilote allemand qui est vraiment là, un peu en perdition sur cette fin de course. Il est à l'agonie. Qui est mis à mal par Laszlo Toth, le pilote hongrois. Alors là, encore une fois, hein, pas de problématique de podium. Même si on le sait, hein, ils ont de l'habitude de cette première, deuxième et troisième place, les pilotes, mais ce n'est pas ça qu'ils vont aller chercher aujourd'hui. Un pilote italien qui paraît difficile à aller chercher. On le savait, il y avait deux pilotes qui connaissaient très bien le circuit de Vallelunga. C'était Rosso et Cohen. Et bien écoutez, regardez, c'est bien Rosso qui va passer la ligne en tête juste devant Cohen. Comme quoi... Eh ben formidable, quelle très belle course, quelle très belle ouverture de ces FIA Motorsport Games. On a vraiment eu un spectacle assez plaisant, sans aucune erreur de l'ensemble de ces pilotes. Et j'avoue que les conditions de piste se sont nettement améliorées pour nous offrir ce spectacle. Et c'est donc l'Italie qui remporte cette course qualificative devant Israël. Pas d'effusion de la part de Rosso. Hein. On est concentré sur l'objectif, la médaille elle est pas au cou encore hein. Ouais. Le pouce levé quand même de la part de Cohen par rapport à Andrea Rosso, mais effectivement hein, Guénel, si on doit on a fait que la moitié du boulot, c'est des manches qualificatives, on en a aussi en athlétisme, on en a dans beaucoup de sports, mais voilà, on a fait qu'un pas vers quelque chose de plus gros un peu plus tard. Alors à la différence de l'athlétisme, elles ne sont pas éliminatoires hein, ces manches. Non. Parce qu'en athlétisme notamment, on ne garde qu'un certain nombre de pilotes, comme ça a été le cas en drift d'ailleurs hier. Oui, c'est vrai. Et comme c'est le cas en karting, en slalom. Là, évidemment, tout le monde sera théoriquement au départ demain, mais ça permet de décider de la grille de départ de la finale de cette F4 Cup qui aura lieu demain. C'est vrai qu'on ne donne pas l'ouvre des chances du Japon, par exemple, pour la médaille d'or demain. Ça va être compliqué, à moins d'une météo très capricieuse ou d'un retournement de situation. Et c'est la 10e place pour le pilote français Richard De Gerus à l'issue de cette manche qualificative. Quelque chose me dit quand même que demain, là, les pilotes ont été... On les a vus souvent côte à côte, ponton contre ponton. Je ne sais pas s'il y aura la même courtoisie demain. Si vous me permettez de vous le signaler. Voilà, on a deux abandons, le Koweït et le Japon. Et le Brésilien aussi qui aura connu une course un peu délicate. Bon, Fabien, il va falloir attendre ce soir pour les premières médailles de toute façon. Hein, parce que pour le moment... Ce ne sont que des courses à visée qualificative auxquelles nous allons assister sur cette première journée. Il faudra attendre la grande finale du drift en fin de journée pour connaître les premiers médaillés par équipe. Également la finale de la Digital Cup qui aura lieu en fin de journée, en fin d'après-midi. Mais avant cela, qu'il s'agisse de la F4, du GT ou du Touring Car, nous n'aurons pas de médaillés ce soir. Il faudra attendre et revenir demain. Quel suspect. On va très certainement attendre les réactions de ces pilotes à l'issue de cette toute première course de ce meeting, de ce week-end, pas comme les autres. Voilà, pour le coup, effectivement, on est vraiment en train de mettre en place une nouvelle manière de découvrir la course automobile. On va revoir bien entendu les meilleurs moments de cette course avec, vous l'avez vu, une course tout de suite très... animés dès le début. Et le japonais, malheureusement, le pilote japonais Kazuto Kotaka, qui a été un des premiers à mettre pied à terre
Le pilote du Koweït aussi a connu quelques problèmes. La lutte a vraiment été très belle entre Allemagne, Israël, Italie. Mais on n'oublie pas non plus le Danois et le Hongrois qui nous ont fait une première course assez spectaculaire. Cette course de F4 a été extrêmement disputée. Et lorsqu'on vous dit qu'on peut doubler en monoplace, on en a eu l'illustration aujourd'hui pour cette première course du week-end. Regardez, voilà la lutte aussi entre Israël et l'Allemagne et l'Italie. Voilà, c'est ici que Rosso est allé chercher cette première place. C'était un petit peu plus tard en fait. On a eu aussi encore un petit peu de grabuge, un petit peu plus loin dans le peloton. C'est toujours avec le pilote du Koweït hein, qui a connu quelques problèmes là, le pilote italien. Voilà, c'est ici que Andrea Rosso est allé chercher cette première place. Grandissimo complimenti, well done. That was a fantastic race from you. Winning in your home country, fantastic. Yeah, it was a really hard race. Ouais, j'ai vraiment fait une très bonne course. J'ai perdu malheureusement deux places hein, au début. J'ai réussi à rattraper les deux premiers et j'ai vraiment réussi à les m'imposer. J'ai besoin de réaliser que je me suis imposé lors de ces premières étapes. Je veux vraiment que je remercie l'équipe et merci pour la voiture qu'ils m'ont mis à disposition. Ouais, il va falloir rester concentré pour demain, pas se disperser pour le pilote italien, vainqueur de cette manche qualificative de la F4 Cup. Finale à suivre demain. Ce sera à 11h40 demain. Voilà. On va continuer le programme, hein, ma chère Genaëlle. You join me back at the karting slalom, and I'm joined by Marin Kremers, who is the newly crowned karting world champion. So he showed me around the track. I've been speaking to all these people. I thought I may as well give it a go. So tell us about what you're doing here and what you're showing everybody. I'm just helping out the FIA and Bureau Up, my team. On est avec Marin Kremers, hein, qui est donc un des premiers à être. And you were saying to me, you're not really used to slalom either. D'accord. No, I've never done anything like this before. I've actually never seen it. I'm used to driving on a small go-kart track. On découvre en fait en compagnie de Louise Beckett et du champion du monde de karting ce tracé du slalom qui est emprunté par les équipages qui vont participer et qui participent depuis ce matin à cette compétition de karting slalom. Vous voyez Louise au volant qui est en train de repérer le tracé. Spectaculaire. Non, c'est intéressant de découvrir. Je peux vous dire que j'en ai regardé un petit peu ces images de karting. Eh bien, il faut mettre du rythme. Il faut avoir vraiment l'œil affûté pour ne pas renverser les cônes. The small kids usually are very good at it. They have no fear and they just En fait, ce que nous dit ce garçon, c'est que plus on est jeune et moins on a d'inquiétude, on a moins peur, on y va vraiment à fond. Cette compétition de karting slalom qui met aux prises deux concurrents par pays, un garçon, une fille, ça c'est une obligation, une nécessité des pilotes âgés entre 13 et 16 ans. And yeah, that's the most important thing. You're better off going a little bit slower, but making sure you don't hit anything. Et le principe de cette compétition, c'est d'avoir un slalom parallèle. Ça ressemble un petit peu pour le coup à des compétitions de ski à certains égards ou de ski cross. Yeah, would have been helpful to get some tips, I reckon.
So we're seeing lots of young talent here. Ouais. Tell us about your aussi, hein, karting journey and how you've got to World Champions. I'm started off in a local, in my local track, local area. On a 29 pays engagés dans cette national championship. Dans cette karting slalom cup. 29 × 2. Ça fait 58 pilotes. Did the CIK, FIA events, all donc chaque pays doit driving avoir sélectionné un jeune garçon et une Norris, jeune fille Stafford, Leclerc, pour représenter ses couleurs. And they all been a little bit further than I did so far, but yeah, I stuck to karting, did my time, and won the World Championship last September. So good feeling. Yeah, so we're just seeing the pictures of me attempting it. Any tips Lui, ce qui parle de sa tentative et lui demande bien sûr. Ouais, ça va. On lui a dit que ça va. Si, même si elle a renversé quelques cônes, elle n'allait pas prendre de pénalité. Eh oui, parce qu'on est pénalisé quand on touche un cône sur ce slalom. Elle n'avait pas forcément les bonnes bottines. So now you've won world title status. You've mentioned all those big names. What's next for you? We're not completely sure yet. I'm working out with my management to get a good deal for next year. Ouais, l'avenir hein, pour un jeune pilote de karting, bien entendu. Non, c'est pour lui en tant que champion du monde de karting. Exactement. On essaie, bien sûr. J'imagine que c'est passé à la voiture. Yeah, definitely. Karting il n'a pas vraiment répondu à la question. Il dit on travaille avec le manager pour trouver la meilleure solution. C'est qu'ils n'ont pas trouvé, à mon avis. Ou alors c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais qu'on n'a pas le droit d'en parler. Ok, well, thanks. En tout cas, ça passe souvent justement par l'échelon supérieur qu'est la F4. On vient de voir we'll sur thank ce tracé de Vallelunga et évidemment on y retournera hein, sur ce stadium de slalom en karting un petit peu plus tard dans la journée pour voir s'y opposer les équipes, les nations dans la quête de médailles. I'm technical sporting director of Motorsport UK and you're with Team GB obviously. Ouais, alors là, c'est le responsable de l'équipe de Grande-Bretagne. It's, you know, obviously it's first time we actually had a full event with all multi disciplines and that. We're really excited to be here. Il apprécie énormément le concept hein. But it's actually fantastic. The show that's been put on is absolutely amazing and we're looking forward to continuing this. Ouais, voilà, en tout cas le spectacle proposé par toutes ces disciplines est vraiment fantastique. On est et les gens sont enthousiastes aussi hein, par le spectacle offert par le karting. So we're at the karting slalom, which is one of your categories that you're competing in. But tell me, what GB are doing as a whole here? We're also competing in touring cars. We've got Rory Butcher in touring cars. Voilà, comme, c'est le capitaine de l'équipe britannique. Hein, donc on a Rory Butcher. C'est un petit peu la revue d'effectifs. Voilà. Fourth in the end of the season. We've also have our GT team. L'équipe qui roule en GT sur la Ferrari aussi. Hogarth, who's competing in the Ferrari during this weekend. And last of all, we've got James Baldwin, who's actually doing digital cup. Sans oublier la Digital Cup avec James Baldwin hein, qui sera le concurrent britannique. La Grande-Bretagne qui est engagée dans 4 des 6 disciplines de CFIA Motorsport Games. Within your team, how important is it for the youngsters here in the karting to be pour les plus jeunes, quelle est l'importance pour eux de découvrir cette compétition avec d'autres pays? Well, I think it's amazing. You know, we've got two 14-year-olds in our team. There's on a deux jeunes qui ont 14 ans. Amazing little characters. En tout cas, ils s'amusent énormément. Ils apprécient tout ce qu'ils voient. We actually need to take your autographs now because you'll be the people that will be the stars of the future. Et en fait, on devrait peut-être leur demander leurs autographes maintenant parce que ce sera peut-être eux, le grand champion, la star du futur. You know, it's a real time for them. Et okay, en tout cas, c'est sûr qu'ils passent un excellent moment, un moment très fort de leur vie. We're just going to go and drown our sorrows about the rugby, aren't we? We are, yes. No, we're very sad to see that. On n'oublie pas aussi que l'équipe britannique va supporter l'équipe nationale en rugby pour la finale de la Coupe du Monde. C'est une autre histoire. Je crois qu'en fait, Louise parlait de se consoler de la défaite de l'équipe nationale. C'est l'Afrique du Sud qui est donc championne du monde. On ne parle plus de rugby, c'est terminé. Bah, tu parlais Springboks en finale de la Coupe du Monde. Ouais, alors, je crois pas qu'on est de représentants de l'Afrique du Sud pour refaire la finale ici. Ouais, il faudra pour se consoler essayer d'aller chercher le titre dans CFIA Motorsport Games.
with Team Georgia at the moment, and they're doing quite well. Et Louise qui s'est téléportée avec l'équipe géorgienne. So tell me about how you're doing in this event. Alors, comment ça se passe pour vous? So far we are good in this event. Ouais, pour le moment ça se passe bien, on est plutôt pas mal. You know, like we started and like we're doing it right now. I think everything is fine so far. Ouais. Pour le moment tout va bien. Have you got competing on representing your nation? Alors, quelles sont les catégories dans lesquelles vous jouez? Vas-y, dites-le avant lui, Guenel, s'il vous plaît. Le drift, le karting et la Digital Cup. Eh ben regardez la Géorgie. Regardez un petit peu la vitesse d'exécution. Ah oui, c'est pas tout à fait le niveau de Louise tout à l'heure. Non, on est déjà à un niveau beaucoup plus compétitif avec beaucoup plus de vitesse, mais regardez surtout. C'est ça qui est le plus impressionnant, c'est cette précision incroyable. Aucun cône. Vitesse et précision parce que c'est chronométré. Incroyable. Et qu'il ne faut pas toucher les cônes ni rater une porte. Ouais. Alors ces cartes sont des cartes électriques, sachez-le. Construit par la marque Birel, et j'essaie de lui retrouver son joli petit nom. C'est... Il faut qu'il y ait la lettre K au moins dedans, hein. Au minimum. Est-ce que vous l'avez? Et oui, je l'ai. C'est le e-kart N35 Senior. Ah, merci Guenel. Qui permet à ces pilotes de s'affronter. Là encore une série monotype. Hein. Tout le monde a le même équipement. That's okay. Let's speak to the team manager. So this is the team manager for the whole of the team Georgia. On a la parole au manager de toute l'équipe pour la Géorgie. It's very good that we started this event. Ouais, on est très content d'avoir débuté ici avec pour nous cette nouvelle génération. Ouais, on fait notre mieux, bien entendu, en karting. Et on va aussi essayer d'être au mieux. Ah, regardez là, il y a eu un cône qui a été renversé. Ouais, deuxième cône, troisième touché. Ouais, cinquième, oh là, il a plus cher. Hein. Oh là là, le massacre. C'est du bowling. Ouais, on est une petite équipe, on est un petit pays, alors on essaie de faire de notre mieux. Tell them what you think about being Georgian. Ah oui, on traduit hein, pour ce jeune pilote de karting. Il va falloir attendre la traduction pour savoir ce que nous dit notre ami Jérôme. J'ai compris, je suis très content d'être là. Il va essayer de se qualifier, il va faire son maximum pour aller en finale. C'est vrai qu'on a vu son run qui était vraiment impressionnant de vitesse et de précision. And are you enjoying the competition? Et la jeune fille, est-ce que vous vous faites plaisir sur cette compétition? La Géorgie qui a terminé en tête des qualifications hier. Avec ce tandem, Elisabetta Bagra et Nika Kobosnitsi. Gérald, je vais deux tandems. Guenel, vous ne cessez de m'impressionner. Voilà, bonne chance à l'équipe voilà, une géorgienne. Une nation à surveiller dans cette Karting Slalom Cup qui est la Géorgie en tête à l'issue des qualifications hier. Ah, c'était assez impressionnant quand même de voir la vitesse d'exécution là, du jeune géorgien justement. Et là on voit justement hein, ces deux tracés hein, qui sont en parallèle. Et on fait évoluer les cartes-mêmes simultanément. The karting slalom is the girls on track activity center. Ouais, l'activité consacrée aux femmes dans le sport automobile. Who runs this event and this program? So can you tell us about Est-ce que vous pouvez nous présenter ce programme? So FIA Girls on Track is about showing young women the different facets and inspire them into having dreams in motorsport. Du sport auto so what we do is that we femmes. Work with local schools and we try to get dans les écoles, as many participants as we can et between 8 and 18 years old. And they basically spend a day with us discovering on the different careers and also trying out the car. Avec elle, pardon. Now there's all these different activity stations here. We're going to walk through them. We'll start here ici, with the simulator challenge. So tell me what this is. So the simulator is really for them to get to, c'est you know, get used to the paddles. And so we make sure they go through this first activity before putting them on real cars. Et avant de les mettre à contribution dans des vrais véhicules, on les met d'abord à l'œuvre sur un simulateur. So what's this?
On est sur ce photobooth. Et on en apprend aux jeunes femmes ce que c'est que d'être une, la relève, une journaliste féminine. C'est la relève, c'est la relève. Ou alors vous pourriez peut-être aller donner quelques cours de communication. Vous avez l'expérience maintenant, Ganaël. Troisième atelier. Is a key key campaign of FIA and is really heart of a lot of activities we do. Cœur des activités que nous faisons. That simulate the effects of alcohol or drugs. On leur met des casques sur la tête qui simulent les effets de l'alcool. Des lunettes même, ce sont des lunettes. Et on leur fait faire des exercices dans ces conditions. Évidemment, pour que l'on se rende compte des effets de l'alcool au volant. Et Louise qui se propose d'essayer justement ces lunettes. Regardez. Ok, we'll try those in a moment. Moi, j'ai déjà essayé, c'est assez perturbant. C'est assez affolant, hein, quand ouais. même, comme, comme sensation. Et ici, eh bien, nous avons des activités avec des Legos. And to make it move through the power of a balloon. So, this activity is really to d'accord, donc là, on cherche les futurs ingénieurs. On leur propose, en fait... Les inagadés de demain. Ouais, c'est ça. Okay. On leur propose donc de construire un véhicule qui sera mu par l'air d'un ballon qui s'échappe. C'est sympa de faire cette activité, en tout cas de permettre à des jeunes filles... Ça permet aux femmes qui sont intéressées par le sport... oui, aux jeunes filles intéressées par le sport mécanique et le sport automobile, de choisir leur voie, parce qu'évidemment, il n'y a pas que la voie du pilote. Pour permettre à ces femmes, à ces jeunes femmes passionnées, de mettre un pied dans le sport automobile. Et ça y est, hein, Louise, qui va se confronter. Franchement, Louise, respect et tout terrain, elle a peur de rien. Et puis alors, surtout, elle cherche son micro, mais elle n'arrive pas à le trouver, forcément. C'est pas tout à fait évident. Elle essaie de faire le parcours, ouais, vous voyez. Elle essaie de marcher sur la route. Pas mal. Pas mal. Am I anywhere near? Est-ce que elle demande, est-ce que je suis en chemin? Hein? Pas trop. Pas trop mal. I don't know if I like that. Je sais pas si j'aime. Non, mais non, forcément, on peut pas trop être décontenancé. Have you tried it? Oh yes, several times. Yeah, I must say you have the strongest one, so it's really. Et vous avez la paire de lunettes la plus forte, alors forcément c'est pas facile, dit-elle. Ah, il y a entendu un piège en plus à Louise. Okay, and then the last activity is the karting slalom, which you know already, and yeah. That's it. I mean, I've been really impressed seeing all these, not just the girls, but the young guys as well, karting and how well they're doing on this track. De sa visite sur le stadium de karting. Karting slalom is it's a parallel slalom, so for each team we have one boy and one girl, as Michel said previously, I guess that made us reach 16.9% of female participation at the Motorsport Games. Ça nous permet d'avoir 16,9% de femmes à CFIA Motorsport Games. On rappelle hein, évidemment qu'il y a également 4 femmes engagées dans les autres disciplines. Alors, expliquez-nous comment fonctionne le karting, Uta. Donc, nous avons des garçons et des filles. 29 nations sont opposées. Donc, chacun a deux runs, 4 au total. Et celui qui va le plus vite va au run suivant, en tout cas à la manche suivante. Oui, absolument. Mais je pense que c'est assez fair parce que vous pouvez voir que les conditions peuvent changer. Voilà, en fait, le fait de faire un slalom, tout le monde a plus ou moins la même chance. Parce que c'est vraiment difficile. Vous pouvez voir que c'est seulement une très petite route à travers les coins. Oui, en fait, c'est très délicat. Hein, parce qu'il faut vraiment passer entre tous les cônes. And this course looks quite difficult. I called that a figure of eight, but you, of course, called it a pretzel over in the corner there. So it's quite tough for them. Ah, c'est délicat hein, pour tous ces enfants. En fait, c'est une combinaison de bien, en fait, de mémorisation, de précision et vitesse. For all kind of motorsports. Et finalement, ce sont des qualités essentielles pour un pilote automobile. How are they going, the boys?
boys and girls combined. It is actually by the comment ça se passe de mélanger les garçons et les filles? ASNs, we call them. They select the team and they apply with their best country drivers. Alors là, on parlait du principe de sélection et c'est chaque fédération nationale hein, qui sélectionne ses candidats, ses participants. It's actually 14 to 16. Okay. Il faut être âgé de 14 à 16 ans. A very good age to be prepared for, yeah, doing a career in motorsport later. C'est un bon moment pour se préparer à une future carrière en sport automobile. Parce que peut-être les plus jeunes d'entre vous l'ignorent, mais Jutta Kahn-Schmidt est la seule femme à avoir remporté le Paris-Dakar. Really very important because we're doing a lot of effort at the FIA to bring young girls to motorsport. Ouais, donc on fait beaucoup d'efforts, on travaille énormément pour amener un maximum de femmes au sport automobile. Et on veut montrer à toutes ces jeunes filles que c'est possible de réussir dans ce sport. Du travail de la commission Women in Motorsport de promouvoir le sport au féminin en automobile. This is part of the game, you know. So, and this is quite expensive because they are using around 25 to 27 seconds for one round, and so then 2 seconds is already quite a lot. Ouais, donc un tour se fait entre 25 et 27 secondes. Si vous prenez des pénalités, 2 secondes à chaque cône touché, hein, donc ça coûte cher. Avec un maximum de 10 secondes de pénalité à encaisser. Slalom can change different figures and so. We chose this because it fits very well here, and like you can see, it's the same. En fait, on a fait ce choix du slalom parce que c'est facile à installer. Ça permet quand même aux gens de pouvoir. And I'm assuming they compete on both sides of this track. Definitely, because it has to be fair. So one time they're on one side and the other time on the other side. Voilà, ce que nous explique Utah Clashman, c'est que même si les slaloms sont faits de manière totalement parallèle et qu'on essaye de les faire se ressembler au maximum, chacun passe sur les deux circuits. Ça permet une équité totale. Exactement. On le voit, il y a même des petits lestes qui sont ajoutés en fonction du poids du candidat. La chance aussi rentre un petit peu en jeu, hein, bien entendu. On a bientôt terminé cette première phase de qualification. Difficult to say because it's really close to competition, and we have still about 20 countries to go the last pre-run qualifying run, and after this we will see. So it's quite close. I'm very happy about that. So that means we'll be very interested. Ça la réjouit évidemment, Jutta Kahn-Schmidt, d'avoir une compétition aussi serrée. 14. How important is not just for the girls, for the guys as well, to get drivers, young drivers in this age and getting out on track and c'est une manière aussi de responsabiliser pas seulement les filles mais aussi les garçons à la conduite et au danger que peuvent représenter la conduite d'une voiture. Ouais, c'est 14-16 ans, c'est le bon âge pour débuter, pour commencer à apprendre à conduire et pour les enfants qui sont intéressés au sport automobile, c'est l'endroit idéal pour débuter. Et il est rare aussi des compétitions où les hommes et les femmes peuvent se rencontrer. Du coup, le niveau de performance est assez identique. If you give a chance to women to race, and si if you make them interested aux femmes, bien, vous voyez, elles savent saisir l'opportunité. Ah, on l'a vu, la petite espagnole en F4 qui a signé le meilleur temps, en tout cas des très bons secteurs parmi les hommes. La petite suédoise Antoine Carr qui elle aussi est allée concurrencer les hommes. Donc oui, c'est très bien de les opposer les uns aux autres. Ça permet cette discipline aussi de débuter à des niveaux de coût très raisonnables et peut-être de détecter des talents et pouvoir les aider à progresser sans qu'il y ait la problématique du budget. What was that event about and what did you discover from that? I think this is more to make young girls interested in motorsport. Cet événement, c'est de Women in Motorsport où on a vu les petits exercices, c'est vraiment leur mettre le pied à l'étrier, leur faire découvrir que c'est un métier qui est tout à fait à leur portée. C'est vrai que c'est intelligent de pas forcément les orienter que vers le métier de pilote, les autres métiers qui entourent le métier des sports automobiles, des sports mécaniques. Voilà, c'est ce qu'on fait avec Girls on Track. Et on leur montre, bien entendu, à ces différents exercices, quel métier elles pourraient être un jour amenées à exercer. Okay, well, we look forward to seeing what happens in the rest of the karting slalom. Thank you very much for your time, and we'll speak to you later. Se retrouver plus tard pour faire un petit point sur la compétition dans cette